Ouais. Ça fait longtemps que t'es pas reparti en Allemagne, là. Ah bah ouais, mais c'est bloqué là, hein. On peut pas. Ouais. Bah, avec le Covid, on peut plus se déplacer, hein. Et donc, du coup, justement, tu me dis que t'avais pris du fat, hein. Au niveau alimentaire, tu gères comment? Tu fais attention à manger moins? Tu fais comment? Ou c'est là actuellement, tu t'en fous? Bah, je m'en fous un peu, mais bon, j'ai de la chance de pas aimer le sucre, moi, tu vois. Alors bon, Ouais. quand je passe devant un magasin de gâteaux, j'ai pas envie de gâteau, tu vois. Et c'est Quand je vois plutôt un quoi? plat de pâtes, j'ai pas envie de pâtes. Des Quoi? bons plats viandards que t'aimes bien? Ah ben moi c'est simple, hein, j'aime bien la viande, le gras animal, et pas tout le gras, hein, mais et les salades. Tu vois. Ah oui, d'accord. Des salades de quoi en général? Moi c'est moi. Moi j'aime bien les salades de tomates avec de l'oignon, du vert, tu sais, l'oignon, la feuille, Ouais, je la vois. Ouais. plante, pas la bulbe, je prends pas la bulbe, Ah, tu vois. ok. Et puis du persil dedans, et puis je mets de l'ail en poudre, et puis du vinaigre du sel avec des aromates, et puis du vinaigre de cidre. Et puis je Ah, donc prends ça, ça, et puis ça me permet d'avoir une bonne acidité d'estomac, de rétablir mon pH et de ne pas avoir de mauvaise digestion. Ouais, un Mais peu par contre, tu de sais, poisson moi, noir, j'ai mangé peut-être? des vieilles graisses, des vieilles saucisses, des trucs un peu trop gras, parce qu'il n'y a pas tous les grammes bons, moi, j'ai un problème. Moi, à part le Ouais. steak, les salades, le pain complet, tu vois, ou même demi-complet, je digère pas grand-chose. Pas de poisson gras? Les graisses. Quoi? Non. Sardines, maquereaux, rien, ça? Voilà, t'es en Hongrie, écoute, je prends un Ouais. peu d'oméga 3 là, mais pas rien. Je dis pour un petit peu, mais c'est rien, non, mais j'ai pas besoin. Tu vois? Bon, tu voulais rajouter un truc, Fred? Ou dans l'ensemble, on est pas mal. Toi, on se ramenait à se rappeler. Non, ah, je voulais quoi? Non, mais là, Non, tu parles de blanc, je te parle de ce que je fais, mais c'est pas très intéressant pour les gens. C'est plutôt ce que je fais, honnêtement, moi. c'est cool. Non, au contraire, bah, tu Non, sais, le fait que les gens. Justement, parce que là, tu regardes, on a parlé des home gym. Comment se créer un home gym, au final? ah, bah oui, Donc là, j'ai pris les moi notes. Hein. si je suis enfermé, on me demande le minimum, je prends une très bonne cage, squat couché avec barre fixe dessus, et des trucs pour les élastiques et des protections latérales, tu vois, pour s'entraîner en sécurité. Un bon Ouais. banc, tu vois, pour faire les écartés, les biceps, tout ça. Et puis, une barre olympique, 220 kilos de poids, et puis deux haltères pour pas prendre de place à charge réglable. Et Là, la barre j'en ai vu à de 40 secours. kilos. J'ai envie de m'offrir ça à Noël. J'ai envie de m'offrir. Moi, j'ai une Réglables. belle salle de gym. Hein. Les haltères réglables. Elles sont quoi? 8 J'en ai à 8 Budapest, chez moi. 100 euros. Mais Sans là, pas quoi. je suis dans ma maison à la Gioula, c'est là où j'aime bien vivre. Hein. Et là, il est où le chat? Et là, comme j'ai un grand écran télé dans ma chambre, Ouais. j'aime bien regarder la télé avec ma copine, les émissions YouTube, tout ça, avant de me coucher, tu vois. Ouais. Des fois le soir, relax, avec la copine à côté, j'ai envie de m'acheter deux haltères de 40 kilos, tu vois. Elles sont combien? 800 euros par là, non? C'est pas 800, 900 euros? C'est 8 ou 900 euros, je crois, non? Je sais pas, ouais, un truc comme ça, 400 euros la paire, non, Et... l'haltère, tu Ouais. vois, comme ça, tu peux t'amuser à faire un peu de biceps en regardant la télé. Et comme mon but, alors en vérité, mon but, c'est j'ai les Albar qui m'ont, c'est Albar, je crois, qui m'ont commencé leur truc Albar. Ils sont sympas, c'est les mecs qui étaient avec moi sur les compètes que je connais depuis Ouais. longtemps. Tu vois. Et ils m'ont dit, oh, ça te dirait pas d'être parrain de notre, parce qu'ils me connaissent, ils m'ont vu en compète, ils savent que je suis un mec réel. Tu vois, contrairement à ce que disent les mecs, je suis pas réel, sauf que je suis vraiment sur le terrain. C'est ça que je comprends pas, les mecs, il est pas réel, mais non, je fais des compétitions, j'ai gagné. Tu vois, bon, Bah, oh, c'est je sais parce pas, super. Quoi? qu'ils sont de notre génération, je sais pas, ou d'une autre planète, hein. Où sur notre planète, tu vois, j'y étais il y a encore 4 ans, tu vois, non, pas vrai, ah bon? Bon, j'ai rêvé. Et là, j'ai envie de m'amuser à pas me respécialiser parce que je continue à faire du soulevé de terre et du coucher. Mais j'ai envie de m'amuser à retaper des barres pour me faire plaisir en traction. Et donc, là, je viens être avec vous. Et puis, éventuellement, s'il y a des compètes après le Covid, parce que là, tout est arrêté, bah, je viendrai en faire de temps en temps pour m'amuser, tu vois. Histoire de voyager, prendre un hôtel, faire une compète. En plus, ça ne me fatigue pas les compètes de traction, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas difficile. C'est comme le bras de fer, faut pas exagérer, les mecs ils en meurent pas, tu finis pas après un bras de fer comme tu finis après une compète de power Clairement. ou une montée de colle au vélo, faut pas exagérer, tu vois. C'est pas le même effort, je fais du cyclisme, c'est pas le même effort, non? C'est pas le même effort, tu vois.
Donc là, je vais m'amuser à me retaper des entraînements là-dessus. Déjà, c'était pas mal, je m'entraînais bien. Bah, je suis un peu lourd, mais même si tu vois, si même en lourd, je tape de la bonne barre, ça veut dire que si je dégraisse de 5 kilos, je vais en taper de la mieux. Ouais. Et un travail cardiovasculaire, jamais. Bah si, je fais du vélo pour aller faire les courses. Je vais à Tesco ou à Spar, parce qu'ici on a Spar. Ouais. À Tesco aussi. Hein, vous avez Carrefour. Ouais. Donc, et tu vas en vélo. J'y vais des fois avec mon gros 4x4 Raptor. C'est le Raptor que tu t'as acheté récemment. Moi j'ai le Raptor. C'est quoi, c'est le V6 que tu as acheté? Mais non, c'est le Raptor Rangers. C'est le moteur diesel de tous les Rangers. Un peu amélioré, mais c'est pas ça. Mais c'est surtout que le châssis est une véritable amélioration. Le truc, il est génial. Oui, mais donc, ils ont pris le système américain qui était dessus. Je croyais que c'était un gadget. Puis je suis allé voir. Puis, putain, mais quelle stabilité. C'est un plaisir. Hein, T'as de quoi tourner un petit peu où tu es? Des champs, etc. Des petits chemins. Je prends pas pour les champs. J'en ai rien à foutre. Je vais sur les digues de temps en temps. Non, moi, ouais. Moi, je prends pour la neige, la stabilité et la caisse. Il y a les mecs, ouais, t'y vas pour les jeux. Je m'en fous de faire du 4x4. Ça me sert quand il y a de la neige, quand il y a de la glace. Moi, j'en ai ici de temps en temps, tu vois. Souvent, quand tu vas à la montagne, quand tu te déplaces, comme je traverse l'Europe, que ce soit pour voir mon fils ou revenir en France, ou quand je suis en Hongrie, c'est pas tout le temps. On a des hivers quand même rigoureux et traverser l'Europe. Je traverse l'Europe et je passe par des zones qui sont quand même enneigées, tu vois. T'aimes pas l'avion, il faut rappeler. Tu prends jamais l'avion de mémoire. Non, mais j'ai aussi tout mon matos qui est avec moi. Hein, tu vois, des habits, du matos, des livres, ordinateur. Tu vois, j'ai les jouets de mon fils dans la bagnole. À chaque fois que je le vois, il faut que je me trimballe avec son. Il est en Allemagne, là. Non, il est en Allemagne, ça chambre. Avec les jeux, les épées, les pistolets, les nerfs que sa mère veut pas. Donc, je les ai tous dans la bagnole. Donc, j'ai déjà la moitié de ma voiture qui est transformée en chambre d'enfant, tu vois, à l'arrière. Donc, ouais, je vois tout à fait, ouais. Donc, puis moi, je me déplace, tu vois, là-bas. Et puis, quand je me déplace, maintenant, je ne me déplace plus seul. Je me déplace avec la copine, tu vois. Bon, avant, j'allais voir mon fils. C'était un peu... Donc, j'ai dû faire des allers-retours pour accompagner la vie de mon gamin, tu vois. Donc, ouais. Et puis, je traversais l'Europe quand je reviens en France. Donc, j'ai le Raptor. Mais pour la vie de tous les jours, moi, je dis ici, j'ai le plus souvent possible faire les courses à vélo. C'est comme une fille locale que tu as rencontrée? Non, c'est une Française. J'ai rencontré par hasard. D'accord. Non, une Française une Corrézienne, comme Chirac, de la campagne, une véritable campagnarde. Ah ouais. D'origine parisienne, mais elle a vécu surtout à la campagne. Tu vois. Ça a l'air de durer là, c'est bien. Bon, là, oui, elle est sympa. Ça me rappelle mes copines de jeunesse et elle qui voulait. Je rigolais parce qu'on rigolait de ça, d'un feuilleton débile qu'on voyait sur. On a les télé françaises maintenant. Comme elle est bonne en informatique, elle me met tout l'été. C'est les jeunes générations. Ouais. Ils sont meilleurs que moi et elle installe tous les trucs. Donc tu vois, c'est génial. Elle est top. Elle m'installe tout l'informatique, vérifie tous les trucs informatiques, va chercher les programmes. T'imagines ? Ouais. Ce que je ne suis pas capable de faire. Et en plus, elle fait la cuisine. Et le ménage. En fait, c'est des drôles sur la terre. Mais elle n'aime pas aller faire les courses. Quand elle est avec moi, elle aime bien aller, mais elle n'aime pas trop. Et c'est moi qui vais faire les courses, tout ça. Donc, bah oui, c'est le partage des tâches, tu vois. Donc c'est assez cool. Et puis comme elle aime bien la campagne, si on est bien, il y a un couvre-feu, mais il n'y a pas de. Comment ça s'appelle ? Cette solution, comme on est ici, on est confiné. Le confinement, voilà, c'est horrible le confinement. Hein. Tu sais qu'ici, ils veulent rallonger le confinement, là. Ouais, et puis ils veulent vous mettre un couvre-feu avant les fêtes, j'ai vu. Ils veulent vous mettre un couvre-feu à 19h. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une troisième vague qui arrive. Alors les mecs, je sais pas, c'est les sauveteurs côtiers. Ils ont des jumelles. Ils disent qu'en janvier, il y a une troisième vague qui arrive. C'est pas non, mal. Non, mais le problème, c'est que je comprends pas pourquoi ils racontent pas la vérité sur ce Covid. T'as bien vu que Gundy, lui, faisait toutes les recherches. Oui, moi j'en ai de mon côté, puisque rien que pour l'éveil des consciences, je travaillais là-dessus. C'est très intelligent, c'est très intéressant de travailler sur les pathologies et sur les maladies de nos ancêtres. Donc, quand tu étudies les cimetières, tu t'aperçois qu'en général, les mecs, ils mouraient, les gamins, ils mouraient, les gens meurent en hiver de pathologies respiratoires, c'est vraiment classique.
Parce que ce sont des. C'est à ce moment-là que il y a le virus. C'est là où il y a le virus, ils sont plus abondants. Non, le virus, il est toute l'année. Raoul a raison, il est toute l'année. Mais il est dangereux. Quoi ? Notre système immunitaire est bas. Voilà, c'est-à-dire que c'est non seulement il nous nique quand le système immunitaire est bas, mais comme la nature est efficiente, et je suis étonné que Raoul ne s'en soit pas aperçu, alors que c'est pourtant un passionné d'évolution, les virus sont programmés pour accélérer leur réplication, c'est-à-dire c'est l'efficience, pour accélérer, c'est-à-dire pas perdre d'énergie pour rien, quand le système immunitaire des hommes, donc des vertébrés à sang chaud, est bas. Donc, c'est-à-dire l'hiver, mais en fin d'hiver en général, donc quand les températures sont entre 0 et 10 degrés. Donc, à ce moment-là, c'est le signe pour eux, ils ne sont pas intelligents, mais on va dire au niveau moléculaire, il va y avoir une modification par rapport à la température de leur structure. Alors, je ne sais pas, il faudra taper dedans, comprendre, c'est assez complexe, il faut étudier, qui fait qu'il y a une accélération de leur réplication à une certaine température. Qui correspond à la fin de l'hiver, mais qui correspond aussi, alors c'est multifactoriel, il n'y a pas que ça, hein, mais on va dire au nord c'est ça, mais qui correspond à la fin de l'hiver, parce que cette fin d'hiver, ceux qui accéléraient à cette température avaient le plus de chances de transmettre leurs gènes, donc leur code génétique, parce qu'à ce moment-là, ils se répliquaient sur des individus avec un système immunitaire bas, donc fatigués par l'hiver. Mais ce qui se passe, c'est que cette réplication se commence aussi en début d'hiver, puisque c'est les mêmes températures, mais moins efficacement, puisque les individus sont plus résistants au niveau immunitaire. En plein hiver, il va y avoir un ralentissement de l'épidémie, puisque en plein hiver, quand il fait froid, on va dire en Europe, il fait très froid, mais pas là, alors, ça dépend des zones, bah, en général, tous les virus meurent. En Allemagne, ça disparaît, en Russie, ils ne l'ont pas pour le moment, mais comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas tant que ça en Russie, les gens sont dans les boîtes, ils l'ont, mais bon, parce que vu le froid qu'il y a, bah, il va moins se transmettre à l'extérieur, il va moins rester sur les habits. Tu vois, quand il fait moins 15 et que tu sors, il n'aime pas, quoi. Ouais, bien sûr. Par rapport à ensemble, de microbiote, c'est quoi ? Tu vois, par rapport au système immunitaire, mais par exemple, il n'y a plus de vitamine D. Un, on est confiné. Deux, vitamine D, notre système immunitaire tombe en couille. Et en plus, on est carencé en pleine vitamine. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça qu'on est blanc. On n'est pas blanc parce que c'est bien, on est blanc parce qu'il n'y a pas assez de luminosité et c'est pour compenser justement le manque de luminosité pour pouvoir justement générer cette hormone qui est générée par la peau. C'est une hormone, hein, c'est considéré comme une vitamine qui permet à l'organisme de survivre et d'avoir des réponses immunitaires contre les pathogènes extérieurs, quoi. Les pathogènes. Donc c'est ça. Donc tu vas avoir une seconde vague, mais la seconde vague, ça va être janvier, on va dire en février, dès que ça va être froid, ça va être là tu vas l'avoir en permanence. Tu vois, il est fort mais modéré. Mais normalement, tu vas l'avoir plus forte en fin d'hiver, début printemps. Ouais. Parce que il continue à être accéléré. Il va ralentir là, mais nous, on va fatiguer. Donc, ça va faire une courbe plate. Ça augmente en début d'hiver, automne. Ça fait une courbe plate parce que notre système immunitaire baisse, mais en même temps, sa réplication baisse au très froid. Et tu vas arriver à ce moment-là à un pic quand ça va avoir système immunitaire bas et température qui vont remonter un peu pour arriver aux températures de fin d'hiver, donc entre moins 10 et 6. Ce que je te dis là, normalement, les mecs, je passe à la télévision, les mecs comprennent et font leur truc dessus. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas, ils ne l'expliquent pas. Et c'est simple, hein. Après, je ne suis pas médecin, les médicaments, les études chimiques, les traitements, c'est des spécialités de médecin. Mais en tant que spécialiste d'évolution, sur l'évolution, c'est à noter un diplôme, mais non, j'ai pas un diplôme, je m'intéresse à ça depuis le début, c'est mon métier, si tu veux. Et je vis de ça, donc j'ai pas de diplôme, mais je vis très bien de ça. Parce que je suis le seul à expliquer des processus évolutifs pour le sport, mais pas que. Et donc normalement, tu vas l'avoir en fin d'hiver à fond. Donc c'est en fin d'hiver, début printemps, où tu vas avoir le top de l'épidémie. C'est pour ça qu'il faut se gaver de vitamine, il faut prendre de la vitamine D, comme Gundy l'explique bien, hein. Et pour éviter ça. Puis Gundy l'avait très très bien expliqué,
que les températures, c'était les études avaient été faites, hein, déjà, la température, les températures optimum, c'est entre 0 et 10. Pour tout, mais ils sont habillés. Pourquoi ? Parce que c'est des températures qui correspondent à la faiblesse du système immunitaire des vertébrés à sang chaud. Et pourquoi ça irrite les bronches ? Pourquoi ça crée des problèmes d'irritation bronchique ? Tout simplement pour pouvoir être expectoré et à ce moment-là d'avoir de coloniser l'espace et le temps. Donc que ça soit des virus ou des bactéries, dans tous les cas, ils ont les mêmes processus de colonisation de l'espace et du temps. Donc ils optimisent ça. Normalement, ils ne te tuent pas. Normalement, ils t'irritent un peu les bronches pour pouvoir être dégagé. Le but d'un bon virus, d'une bonne bactérie, c'est de passer inaperçu et au mieux de faciliter la vie de des individus qu'ils colonisent. Bah, il se trouve que celui-là est mal muté. Bon, bah, d'un autre côté, ça va évacuer les faibles. Mais bon, quand tu as une gamine de 30, une jeune de 34 ans là, qui est à côté de chez moi qui meurt de ça, c'est gênant. Je la connaissais, tu vois. Disons que c'est très gênant dans le sens où disons, on n'accepte plus qu'il y a des morts et on veut vivre éternellement. D'un autre côté, mon pote, le vétérinaire, là, Attila, 40 ans, pleine forme, il l'a eu 2 semaines, il est resté à la maison, il est retourné travailler, ça va, il n'a aucun séquel. Ouais. Je vais te dire un truc, Fred, ça fait depuis 7 ans que je suis des mes clients. Chaque année, j'ai 50-60 clients qui ont attrapé la grippe, d'accord ? Ouais. Cette année, la grippe n'existe plus. Plus personne à la grippe. Ils ont tous le Covid. Bah parce que le Covid les prend avant. Il est plus contagieux. Tu vois. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te renseignes, mais sur les documents NC ou autres, depuis avril en France, du moins, je n'ai pas regardé sur d'autres pays, c'est dommage, ne comptabilisent plus du tout la grippe et plusieurs pathologies. J'ai plusieurs clients qui travaillent, qui sont infirmiers dans les hôpitaux et infirmiers libéraux. D'office, ils mettent donc décès du coco. Alors que la personne n'en voyait pas l'ombre, tu vois. Non, donc, mais il y a toujours eu des morts pour ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il est plus virulent celui-là, tu vois. Ouais. Toi, ici, par rapport à ton pays. Ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, ils ont fermé les frontières, on n'a quasiment pas eu. On a eu 500 morts. Ouais. Là, ça augmente et là, on a pas mal, hein. On a pas mal parce que j'en connais pas mal qui autour de moi, j'en connais deux qui sont morts dans le village. Ouais. Et ils avaient quel âge ? Il y en avait une qui avait 45, une femme, et l'autre, tu vois, des nanas, et une autre 34. J'en connais deux. D'accord. Bon, il y a des pathologies annexes ou quoi ? Qui ici, il l'a chopé en Autriche l'année dernière, il l'a eu, mais bon, il était à l'hôpital et c'est allé. Autrement, le fils de mon pote vétérinaire, là, il l'a chopé, un gamin, il a 4 ans et demi, 5 ans. Il a juste une petite diarrhée et puis rien du tout. Hein. Il était en train. Sa maîtresse à l'école l'avait chopé, mais bon, elle est revenue, ça allait. Juste, elle a été. Et je connais Attila qui l'a eu, et puis lui, il est resté 2 semaines, il n'y avait rien. Donc, c'est très variable les effets. Ouais, complètement. Là, j'ai tous les tests dans mon frigo, il les a apportés, mon pote. Ouais. Et puis, j'ai des médicaments russes aussi, des tests que les mecs utilisent là, qui sont censés booster le système immunitaire et qui marchent. Les pays n'ont pas les mêmes, et comme eux, ils sont pas loin des Russes, ils ont encore des contacts. Là, j'ai des. C'est un antiviral qui est issu de noyaux de je sais plus quelle plante. Où j'ai regardé, il faut que je regarde encore. C'était en hongrois écrit, alors j'ai eu du mal à le voir. Tu parles un peu le hongrois ? Oui, je parle le hongrois. Mal, mais je le parle. Oui. Alors, c'est encore contrairement à ce que disent les gens. Non, je parle le hongrois, je vis ici, et puis je parle hongrois. J'ai une copine qui est hongroise, c'est vrai que la langue est un peu difficile. Hein bah, pour moi, toutes les langues sont difficiles, un peu plus ou un peu moins, ça ne me suit pas. Bon, comme par rapport à au français, ça n'a rien à voir. Non. Tu vois, les langues latines, l'italien, l'espagnol, le français, c'est ça à peu près les mêmes. C'est la structure grammaticale qui n'a rien à voir, mais les vocabulaires, tu trouves du vocabulaire slave, du vocabulaire allemand, du vocabulaire essentiellement slave et allemand, on va dire. Ouais. D'ailleurs, comme ton ex-femme est allemande, tu parles allemand aussi ? Non, je ne parle pas allemand. Bon, j'arrive à le comprendre maintenant, tu vois, mais bon, vaguement, je vois de quoi ils parlent quand ils sont quelque part, tu vois. Mais bon, c'est quand même pas évident. Non, c'est vraiment une langue qui est assez dure. Quand est bilingue, bon, ça va, il parle français. Il a quel âge ? 6-7 ans, là ? Non, mon fils, il va avoir 9 ans, là. 9 ans ? Ouais. Et lui, il est totalement bilingue, tu vois. Il est où, vers Berlin, non ?
Il est à Berlin, lui, oui. Il est à Berlin. Tu l'appelles de temps en temps? Ah bah là, je l'appelle plus. Depuis que j'ai une copine, la mère a tout bloqué. Quoi? Ah ouais, merde. Ah oui, d'accord. Elle le vit très mal. Ah bah, elle voulait pas avec moi, mais depuis que j'ai une copine, tout bloqué. Alors, c'est mon fils qui est malheureux, tu vois. Ah merde. Il m'appelait encore quelques temps, puis là, elle a tout bloqué. Le Jugendamt me faisait... obligé à le voir, donc je le voyais tout le temps, je l'avais en permanence, j'allais tout le temps le voir, et puis là, tout bloqué, donc ça pose un problème. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais vendre un appart à Budapest, il se termine, et puis il est beau, puis je vais aller en acheter un à Berlin, à côté de chez lui, comme ça, j'irai me pointer à côté, parce que j'ai gagné sur le droit de voir mon fils, avant j'étais interdit de voir mon fils, parce qu'il y a eu des faux témoignages, la mère avait, puis ça s'est avéré que c'était faux. Mais tu vois, c'est encore c'est le problème des faux témoignages dans ces pays, c'est que dans ces trucs, c'est que le problème, c'est que le faux témoignage n'est pas, c'est de la législation, hein, n'est pas attaqué. C'est à toi de prouver et tu prouves. Tu vois, ils te mettent des psychologues et tout, t'es blanchi, donc tu n'es plus interdit, mais comme t'es pas, t'as pas d'autorisation parentale, de comment ça s'appelle là? Pour la garde, pour voir la visite. Ça s'appelle la tu n'as pas de responsabilité parentale si tu n'es pas domicilié en Allemagne, chez les Allemands. D'accord, ok. Ah oui, mais ils sont en dehors, c'est-à-dire que c'est la communauté européenne, mais c'est les lois allemandes qui prévalent. Alors qu'en France, c'est la communauté européenne et c'est les lois européennes qui prévalent. C'est-à-dire que la France ne défend pas ses ressortissants. C'est un énorme problème au niveau de la législation européenne. Les Allemands sont conservateurs, ils ne font pas d'enfants, donc ils gardent les enfants. Les mamans allemandes le savent. Elles ont souvent des problèmes. Alors les problèmes viennent plus souvent des mamans allemandes que des papas allemands pour des questions historiques, pour des questions de comportement. Les papas allemands en général, les pères allemands, des mariages mixtes avec un père. Il y a très peu de problèmes entre père allemand et mère étrangère, et il y a énormément de problèmes entre mère allemande et père étrangère. Parce qu'il y a une espèce de féminisme qui a vraiment marqué l'Allemagne. Qui est un féministe qu'on peut comprendre, parce que c'est elle qui reconstruit l'Allemagne, mais qui les rend très dominatrices et ils font qu'il y a une espèce de féministe où elles veulent être légales des hommes en dirigeant les hommes, tu vois, et en les écrasant même. Et c'est compréhensible vu l'histoire allemande. Tu vois ouais, complètement. Elles ont remplacé les hommes. Donc tu te payes. C'est un problème. Je suis un papa parmi. Des milliers de papas qui ont ce problème en Allemagne. Mais bon, moi, j'ai la chance d'avoir au moins de l'argent. Ouais. Et bien, pouvoir me déplacer, pouvoir acheter un appart à mon fils, pouvoir le voir. Je voyais tout le temps pendant 2 ans, c'était le paradis. Mais c'est fatigant. Puis là, j'ai bloqué. C'est pas grave. On repartira, on achètera un appartement, on se mettra dans le coin. Et puis, de toute façon, je suis sur les réseaux. T'aimerais aménager en Allemagne ou juste avoir un pied à terre? Je reste en Hongrie, mais je vais me localiser. Je vais me. Comment dire? C'est législation. Hein. Je vais me mettre en résident allemand, comme je suis résident hongrois. D'accord, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Quand j'habite en Hongrie, j'ai une carte de résident hongrois et je vais avoir une carte de résident allemand. Donc j'aurai une carte d'identité française, carte de résident hongrois et carte de résident allemand. Donc à partir du moment où il y a une carte de résident allemand, on ne peut pas s'opposer, sauf mensonge, et elle ne peut plus faire de mensonge. Il n'y a plus possibilité de mentir, puisqu'il a été prouvé par la justice que j'étais un mec totalement clean, bien droit et tout ça, que le problème n'est pas moi. Et donc, par contre, je n'ai pas autorisé tes parentales, mais c'est de la justice. Hein. Tu verras, les mecs, ils tapent sur Internet, problèmes binationaux, Allemagne, par garde d'enfants. C'est un truc qui pose énormément de problèmes depuis 15 ans. Ça passe dans la Commission européenne. C'est en dehors de la muscu, mais c'est très intéressant à étudier, à comprendre le monde. Et tu vois que le droit du père étranger, il est... La France ne défend pas en plus ses ressortissants. On laisse l'Allemagne tout faire. C'est eux qui dirigent l'Europe. Hein. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand tu as de l'argent, il y a des moyens. Mais par exemple, je serais un petit prof de gym, je serais ruiné. Tu serais dans la merde. Mon fils. Là, j'ai moyen de m'imposer, puis j'ai les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire que mon fils cherche son papa, il est sur Facebook. Tu vois, à partir du moment où il aura son ordinateur et tout, là, il m'appelait, on lui a piqué sûrement, s'il ne pouvait plus. En douce, il m'appelait et tout. Bon, c'est pas intelligent parce que ça va faire que le petit va en vouloir à sa maman alors que la maman est plutôt une bonne maman sauf qu'elle est assez jalouse peut-être possessive
c'est une femme, rivalité professionnelle, c'est une artiste, elle a perdu son boulot. Moi, le mien a fait que ma réputation, ma notoriété ne fait, on va dire, qu'augmenter. Ouais. Alors, évidemment, elle n'augmente pas. Je ne suis pas une star du cinéma. Ça n'a rien à voir. Par rapport à ta notoriété, j'ai un aura mondial, si tu veux. Que ouais. Les mecs, c'est-à-dire que moi, je suis connu, je suis vendu, dans le monde entier. C'est que les mecs ne savent pas, tu vois. Ouais. Bon, heureusement justement, que... Il y a un projet que tu as mis. Défi. Le fameux projet là, que tu as pu partager récemment, là, comme un film, ça correspond à quoi? Ah, ce projet, ça, alors ce projet, ça, alors ça, si vous voulez aider, hein, c'est du 14, vous allez sur mon Instagram, et puis il y a la réclame, c'est pas moi qui fais le film, hein, c'est une équipe de jeunes producteurs, de jeunes réalisateurs, qui ont décidé de faire un film sur moi, qui l'ont mis sur Ulule, donc un financement participatif. C'est pas moi, alors moi je fais pas le vrai, mais pas m'amuser à faire un film sur moi, ça serait de la propagande. Tu vois, je préfère laisser des jeunes, et dire, vous voulez me filmer, il n'y a pas de problème, je vous accueille. Et puis, voilà, c'est à partir du moment où il n'y aura pas le Covid, ils me suivront, ils me verront travailler, et puis c'est marrant de voir un Français qui marche dans le monde, tu vois, sa vie, comment il bosse, qu'est-ce qu'il fait, puis c'est un exemple pour pas mal de jeunes, tu vois. Parce que tu veux parler de Houellebecq, j'aime beaucoup Houellebecq, mais tu peux aussi parler de moi. De moi, t'en parles moins, alors que je vends autant de livres que Houellebecq. Ouais, complètement. Question de médiatisation, tu vois. Ah, mais forcément, plus tu es mis en avant et partagé, plus il y a une vision des choses, tu vois. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ah oui, c'est hyper important. Mais quand à l'époque de La Feuille, j'ai des jeunes Lafayens qui venaient, Lafayens, ils se disaient, tu vois, il y a qui t'aime, on ne connaît pas, t'es un pauvre, je ne connais pas, excuse-moi, mais... J'étais déjà première vente aux États-Unis au niveau des bouquins. Ah bon ? Ouais. Menteur, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas parce qu'on ne parle pas de moi à la télé française que je ne suis pas connu dans le monde. Kate Green vient me voir, ah, Delavier, j'adore, tu sais, il a son livre, il y a mon livre. Ouais. Tu sais, en Russie, j'ai le YouTuber là, qui a des millions de mecs qui le suivent et qui fait les armures d'Iron Man. Il est construit devant tout le monde en vrai, il s'est fait. Ça, ouais. Tu vois, Monsieur Delavier, tout ça, on adore ce fait. J'ai plein d'artistes qui aiment bien ce que je fais, puis plein de body aussi, tu vois. Il y a plein de mecs. Faut arrêter de voir le monde avec des yeux de français. Tu vois, faut le voir avec. Faut dire que bon, le monde, c'est le monde, tu vois. Il y a des mecs qui passent tout le temps à Dubaï actuellement. J'ai l'impression que c'est devenu une espèce d'épicentre du bodybuilding. Et les mecs, ils sont partout. Ben, comme la Thaïlande, tu vois. Ouais, complètement. Par exemple, le métis là qui est extrêmement fort, qui fait des vidéos, qui fait des performances. Le black américain là. Larry Will. Il est énorme. Il était avec Morgan. Mais ce que j'étais étonné, c'est qu'il est quasiment aussi grand que Morgan. Complètement. Il fait plus d'un 90, hein, Larry Will. Il paraît petit à voir comme ça parce qu'il est. On dit, ah, mais il me dit, non. Mais non, il est énorme le mec. Il est énorme. Et t'as vu sa morphonatomie très spécifique quand même, ouais. Avec des segments, tu vois. Ouais, alors il est pas très large d'épaule, proportionnellement. Hein, non, il est quand même large d'épaule, mais moins que. Il est moins impressionnant que. Alors ça vient aussi de ses trapèzes que Morgan. Morgan est monstrueux. Et il monte partout, Morgan. Voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même moins d'avant-bras et moins de mollets que Morgan, tu vois, avoir. Avec un trapèze et un cou énorme. Il a pas de mollet, Larry. Il a des segments. Les muscles sont très très hauts, très courts. Ouais, très hauts, très courts. Voilà, il est impressionnant, il est très fort. Je regardais, il est bon en écarté, tout ça, en développé halter. Hein. C'est là où il était étonné. Il a des barres de malade. Ouais, il était étonné parce que je regardais là, il a sorti ça cette semaine. Et ouais, il était avec Morgan qui doit être là-bas et qui est un phénomène, Morgan. Et il se doutait pas que Morgan était si fort quand il l'a vu. Parce que Morgan, il était surtout fort. La première fois que je l'ai vu, il est allé à l'homme le plus fort de France sans préparation. Et il a gagné. Et là, tu dis, mec, il est monstrueux. Et il arrive en garde, il était tout genou, hein, salut, ça va. C'est quoi ce truc-là? Et mec, il regarde. Et avec longiligne, avec des avant-bras énormes, des mollets énormes, mais longiligne en même temps, je dis, c'est quoi ce truc? Tu vois? C'est une force de nature. Ah oui. Alors évidemment, il a des produits à fond. Il y résiste. Je ne sais pas comment il fait pour y résister. Mais même avec tous les produits qui se prennent dans la gueule, je peux dire quand même qu'il est fort à la base et qu'il est énorme. Il est énorme. J'ai jamais vu un truc pareil parce que même les autres, ils peuvent prendre ce qu'ils prennent, ils ne sont jamais comme lui.
Alors, il est résiste aux produits. Il a une génétique énorme pour la force. Deux, il résiste aux produits. Trois, il est capable de grossir et de manger énormément. Ouais. Et là, c'est pas possible. Eric Favre l'avait pris justement sous son aile pour faire les différentes compétitions, pour l'amener à avoir la carte IFBB Pro pour pouvoir ensuite faire les compétitions Olympia. Oui. Moi, je pense qu'il aurait été un méga strongman. Ouais. Il aurait eu une meilleure carrière, je pense, là-dessus. Il fait mal au dos, je sais pas, que je sache. Je sais pas s'il s'est blessé, droite à gauche. Ouais. Ça, il s'est arraché un biceps une fois. Mais ça, c'est lié aussi au régime. Mais Larry Will, quand Larry Will l'a vu arriver, il pensait Larry Will être plus fort que lui. Ouais. Il était moins fort. Non, j'ai vu la vidéo, je l'ai vu, je crois, hier d'ailleurs. C'est sur ton mur. Je me suis endormi avec, j'avais ma copine à côté. Elle était là, elle dit regardez, j'aime bien Morgan, sympa. Je pense que c'est incroyable. Et à un moment, Larry Will et Morgan font un bras de fer. T'as vu le pic du biceps de Larry Will? Ouais. C'est une montée. Il est infini. Non. Larry Will, il a. Est-ce que tu as remarqué la vidéo? Il a le chef long du biceps arraché. T'as pas remarqué? Oui, il s'est blessé récemment en plus. Ouais, il faisait un curl bloqué au coin de le mur à 120 ou 140 kilos et il s'est déchiré le biceps. Ah, oui, j'ai vu le biceps gauche et le chef long vient à lâcher. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Il a lâché son biceps gauche quand? Et je dis, mais ils sont fous les mecs. Et c'est des malades, ils cassent, tu vois. Ah, c'est des malades. C'est des malades. Là, pour le remettre, bon, il va avoir une instabilité de l'épaule. Hein. Il avait fait une décharge d'anabolisant et en l'espace de 4 semaines, il avait pris 10 kilos en reprenant les anabos, à fond les ballons. Ah ouais. Tu imagines 10 kilos en 4 semaines. Et il mettait les deux photos à côté et il expliquait, je me suis chargé ça. Oh, mais il est à Dubaï, il a le droit. Il emmerde tout le monde. Il dit, bon, je suis à Dubaï, personne ne me fait chier, tout ça. Oui, non, moi, je m'en fous, objectivement. Je m'en fous que les mecs prennent des produits. Moi, ce que j'aime pas, c'est que les mecs viennent me voir. Je ne dis jamais, il prend pas. En disant, toi, tu prends des produits. Toi, tu es chargé. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas chargé, je te le dis. Je n'ai rien à foutre. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai essayé de 23, donc j'ai essayé après les compétitions de power, à 25. Donc, tu calcules, j'ai essayé 2 ans, je ne sais même pas, 2 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc, imagine, il ne faut pas exagérer, tu vois. Ouais. C'est pas... C'est rien, quoi. Puis après, on dit, ouais, t'en as pris toute ta vie. Il dit quoi? Il attendait les mecs pour venir. En plus, attends, 25, tu calcules, ça fait 25, 30, ça fait 25, ça fait 20, attends, 25, 35, 45. Comment ça fait 25? Là, t'as combien? T'as 50, combien? Ça fait 28 ans que j'en ai pas pris. Attends, ça va, j'ai 53, c'est bon. Tu vois? Faut arrêter le délire, quoi. Tu te dis, mais les mecs, ils sont fous. C'est des fous furieux. Tu vois? Ben aujourd'hui, c'est hyper marginal. Hein. Quoi? C'est aujourd'hui, les gens, ils vont sur Internet, ils font leur petite emplette. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ne considèrent plus que quelqu'un peut être musclé et naturel. Ah oui? Mais par contre, il y a tout le travail derrière. Ah oui? Non, mais attends, moi, je m'en fous. J'aime bien les mecs. Ils prennent le produit qu'ils veulent, mais qu'ils racontent pas de conneries. Je veux dire, bon, on s'en fout. Larry Well, c'est Larry Well. Morgan, c'est Morgan. J'aime bien ce qu'il fait. Bon, ils sont chargés, mais les mecs, ils poussent. Alors moi, j'aurais peur à leur place. Moi, j'aurais pas leur courage parce que je trouve quand même c'est. Mais il y a beaucoup de mecs comme ça qui crèvent très tôt, faut dire. Ah ouais, ça fait peur, quoi. Alors bon, ils vivent leur passion jusqu'au bout. Ouais. Faut ça savoir s'arrêter à temps. Tu vois, après, tu regardes Kazmeyer, il est encore en vie, en pleine forme. Hein. Ouais. Regarde comment il a fini, Ronnie Coleman. Alors, ouais, ça se voit. Il s'est pété de partout, mais il est encore en bouillon, il n'est pas trop malade, mais il est cassé de partout. Quoi. Puis alors, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de mecs qui font des thromboses. Oui. Actuellement. Ça vient de quoi? Alors, il faudrait demander au doc. Parce que je voyais que Devon Larratt, que j'aime bien, je suis là récemment, Devon Larratt, il était justement en vidéo avec, parce qu'il est un peu médiatique, il a une bonne gueule, on dirait un peu Wolverine, tout ça. Ah, puis il est très fort. Il a fait une thrombose veineuse, alors pas heureusement. Du bras et du poumon. Non, du bras, de la jambe, de la cuisse et du poumon. Je dis, mais comment ils ont fait ça? Lex Wheeler s'est fait amputer. Ouais, ouais. Et je dis, mais comment ils font ça, les mecs? Ouais. Des cailloux, puis après, peut-être. À cause d'opérations, à cause de produits qui auraient tendance à,
Quand tu regardes le PO, les gens qui prennent l'OPO dans le cyclisme vont avoir un épaississement du sang et justement ils prennent des fluidifiants pour ne pas avoir de cailloux qui bloquent dans la nuit et qui crèvent. Et ouais, en plus, tu sais que dans la nuit, parce que moi j'ai fait du cyclisme, ce qui fait que je me suis beaucoup renseigné sur les athlètes de cyclisme et j'ai des livres d'ailleurs, mais par exemple, dans les équipes donc, de cyclisme, ils se lèvent la nuit pour rouler pendant une demi-heure pour justement en fait vasculariser. Pour pas qu'ils se créent de cailloux, tellement en fait leur sang est dense. Mmh. C'est dingue. Ouais, ouais. Alors en plus, ça doit varier sur un individu. Je sais qu'un mec comme moi, j'ai un sang assez liquide à la base. Tu vois. Ouais. Bah, en famille, t'as on a. Quoi ? T'as du mal à cicatriser lorsque tu te coupes ? Non, ça va. Mais je sais que j'ai un sang assez. Je marque assez vite. Non, c'est pas au niveau des c'est pas au niveau des plaquettes, tu vois. Je cicatrise. Mais ouais. Par contre, je marque assez vite. Ping, tu vois. Un peu moins là maintenant. Quoi ? Moi je marque que dalle. Je me fous un pet, aucun bleu, rien. Mmh. C'est un truc de dingue. Et puis ça part très vite. J'ai un bon processus de régénération générale, tu vois, parce que je suis recouvert de douleurs, tu vois. Je régénère bien, beaucoup mieux que je pensais. J'ai des zones qui sont censées ne pas régénérer, qu'on régénère, tu vois, chez les gens. Donc, c'est étonnant, tu vois. T'avais quoi comme souci ? Ben, moi, j'ai déjà eu des problèmes de rétine. Normalement, une rétine perdue ne se récupère pas, elle mène à récupérer. C'est comme ça, je disais à Gundy. Une rétine décollée ? T'avais la rétine décollée ? Non, sûrement une petite hémorragie ou un petit problème. Moi, c'était la créatine qui me faisait des problèmes. Tu vois. Ah bon ? La créatine ? Comment ça aurait pu ? Ça me faisait des éblouissements à la lumière et des sudations. J'ai arrêté des années. Ouais, c'était une créatine monohydrate classique ou c'était un mélange ? Non, une monohydrate classique et même en moyenne quantité. Et pendant des années, j'avais ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes-là ? Ça me posait des problèmes. J'avais d'autres mecs qui l'ont eu aussi. J'en connais un copain là qui étudiait, son pote l'avait aussi ça. Tout le monde ne l'a pas. Et j'étais extrêmement fort, la créatine, mais alors ça me faisait des problèmes comme ça. Sudation, fatigue et éblouissement à lumière. C'est dingue ça. J'ai jamais eu ces soucis-là. Oh, ça en prend très peu. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté la créatine. Hein. Quand j'arrête la créatine, c'est simple. Hein. J'ai perdu au coucher de série de 10, 10 kilos d'un coup. C'est énorme. Mais au squat série de 10, 20 kilos d'un coup. Ah, c'est énorme. Ah, tu gagnes le soulevé de terre, 20 kilos d'un coup. Série de 10, 10 kilos d'un coup. Ouais. C'est énorme. À la créatine, moi, dès que j'ai pris de la créatine, j'ai fait plus 10, plus 20 en série de 10. Parce que tu devais avoir tes taux qui étaient très bas peut-être de base. Tes taux de créatinine, tes créatines phosphate, hein, peut-être qu'elles étaient très basses. Je sais pas, parce que je suis quand même musculaire. Ouais. Tu vois ? Et je reste quand même costaud. Hein. Tu vois, j'ai des personnes qui prennent de la créatine mono ou la créalcaline par rapport au pH, tout ça, mais qui n'ont pas de gain. Et en fait, j'ai fait des recherches, je me disais, mais putain, mais comment c'est possible que sur d'autres personnes, ça marche pas aucun gain. Et en fait, apparemment, c'est que certaines, naturellement, ont un taux de créatine phosphate plus élevé, tu vois. Et donc, d'office, comme tu as une réserve énergétique, l'ATP est plus présente lors de l'effort, et tu peux envoyer plus la sauce. Non, mais moi, j'envoie quand même la sauce. Hein. Mm. Je fais encore de la série de traction à 50. Là, à 50, pas moche, hein, je montais cet été à 60 en traction. Je crois que j'ai même fait 65 une fois. C'est énorme. Mais moche, hein, traction moche. Mais non, c'est pas des belles, c'est des tractions moches. Ouais, bah, 65 tractions moches, calcule comment ça te fait de belles. Tu vois, c'est ça. Ouais, bien sûr. Là, tu as des projets particuliers, Fred ? Je termine l'éveil, là, il est un peu en retard. Je devais le terminer ce soir aussi. Ouais, c'est la nouvelle édition ? Ouais, c'est la nouvelle édition. Puis j'ai d'autres projets pour l'année. J'ai les t-shirts qui sortent, tu vois. Ouais. Donc on va voir. Donc normalement, voilà. Puis j'ai des trucs qui vont arriver en secret. Vous serez au courant après. Puis j'ai les machines. J'ai ma salle qui arrive chez moi. Puis on va continuer à faire les machines. Donc, c'est pas mal. Au niveau de l'éveil des consciences, c'est quoi ? C'est que tu as fait une réécriture, tu as rajouté des chapitres ? Bah oui, on a au moins 200, 150 pages en plus. 635. Ouais, normalement on a dû faire 150 pages de plus, tu vois. Ce qui est original, tu vois, comme ta première édition était un peu justement en rupture, hein, simplement. Ouais. C'est marrant. Comment on peut le retrouver 100, 200 plus sur le bon coin, parce ça. Arrêté en plein essor. Ouais, complètement. C'est devenu un produit rare.
Oui, on l'a arrêté en plein essor parce que le gars avec qui je m'étais associé, qui était un copain, a vu passer l'argent et a tout volé. Donc, Ouais, moi, j'avais mis 20 000, un peu plus 25 000 euros, enfin, 20 000, 25 000 euros dans le projet, on va je dire. crois ça, c'est vrai. Et là-dessus, je devais récupérer les gains, puisque les gains, c'est le prix de l'impression, de la maquette, tout ce que tu veux. Donc, et puis là-dessus, je devais avoir les droits d'auteur. Et le problème, c'est qu'il a volé les droits d'auteur, les bénéfices du livre de l'éditeur. Bon, je m'en fous un peu, j'étais actionnaire dans la boîte à 50%, mais bon, ça qu'il garde. Mais il m'a quand même volé les 25 000 euros que j'ai mis d'avance, plus les 30 000 euros de. Et À lui, peu dans la près. boîte, il avait fait quoi en fait? C'était co-auteur, même pas. Non, mais non, ils avaient quand même fait un boulot de diffusion. C'est le plus dur, à part écrire un livre. Mais il a volé tout l'argent des droits d'auteur. Donc le problème, c'est qu'il est en pénal, en correctionnel. Maintenant, il va passer après. Puisque là, il a perdu. Il me doit l'argent. Donc il me doit tant d'argent, plus les astreintes et tout ça. Mais comme il n'est pas solvable, il ne peut pas payer. Mais comme c'est une boîte, la boîte ne peut pas payer. Mais comme c'est le gérant qui doit un droit d'auteur, ça appartient pas à la boîte. Donc c'est quelqu'un qui l'a volé. Donc comme c'était lui gérant, ça peut être que lui qui l'a volé. Donc je vais le poursuivre en correctionnel. Et en correctionnel, si tu veux, il va écoper, je ne sais pas combien, d'amende. Alors, amende, il ne pourra pas me les payer. Et prison. Et s'il fait moins de 2 ans de prison, bah, il n'ira pas en prison. Donc, il aura tant d'années de prison, tant de mois de prison, et tant d'amende, prison qu'il ne fera pas, et amende qu'il ne pourra pas me payer. Mais je le fais parce que, de toute façon, socialement, c'est pour bien le marquer aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand tu as prison avec sursis parce que tu as volé, comme vol, ça reste marqué quand même dans les annales. Donc, Complètement. là, ils voulaient rentrer à la gendarmerie. Donc, j'ai des mecs de la police du coin qui m'ont appelé, qui ne voulaient pas qu'ils rentrent. Donc, comme il a des appuis, les gendarmes, puis ils se vantaient d'être franc-maçon. Alors, est-ce que dans la gendarmerie, comme réserviste, hein, est-ce que, ils étaient au courant? Donc, la police qui est au courant de tout ça, j'ai envoyé toute ma les résultats du tribunal. Pour qu'ils présentent à la gendarmerie, pour qu'ils ne rentrent pas à la gendarmerie. Déjà, il voulait rentrer au MMA. Étant donné que je connais les mecs du MMA, il ne va pas s'amuser à y rentrer, vu que ça peut être risqué qu'ils volent le MMA. Et puis, voler les mecs du MMA, c'est pas me voler, si tu veux. Ouais, Parce qu'il bien sûr. y a des mecs de cité, il y a des mecs, et puis ils sont pas la même. Si tu veux, moi, je peux être très puissant dans un certain domaine. Par exemple, tu vois, par exemple, je peux le faire bloquer par la police, je vais enlever ses accréditations. Gendarmerie, j'avais enlevé ses accréditations par les mecs qui avaient fait faire enlever aussi, tu vois, parce qu'on lui présente un truc, mais pas que moi. J'ai envoyé mon dossier, tu vois, et je l'ai enlevé du MMA. Maintenant, s'il était rentré au MMA, tu vois, ça aurait pu poser des graves problèmes pour lui et pour le Ouais, MMA complètement. aussi, parce que on rentre à ce moment-là dans des risques, des problèmes de confrontation qui peuvent être violentes. Bah, Ouais, complètement. voler une association avec des mecs qui sont cités, qui sont honnêtes, mais qui sont cités, Et par rapport à toi, il avait déjà les comment t'as été antécédents? cité peut ressortir, même si les mecs sont honnêtes. Tu vois, donc ils étaient très contents. Et merci Fred de nous avoir prévenus, on ne veut pas de problème. Ah oui, c'est des mecs qui sont droits. Hein. Par rapport à toi, il avait déjà des antécédents d'avoir un peu. Non, mais c'était un mec qui était bien à la base. Hein. C'était un mec. Ouais. C'était un mec qui avait de bonnes idées, qui était bien. Il avait dû monter des trucs. Tu vois, il avait dû monter des trucs pour niquer un peu le fisc, comme un peu beaucoup de mecs le font, c'est le début, tu vois. Ce qu'il ne faut pas faire en vérité, tu vois. Et après, il avait monté une boîte, il avait très bonnes idées, très dynamique. C'est pour ça que c'est moi qui étais allé le voir, j'ai dit, écoute, tu as eu des problèmes. Il avait eu des problèmes, il m'avait dit qu'il y avait d'énormes problèmes. Je lui avais dit, écoute, je peux te prêter un peu d'argent si tu veux, tu me rendras quand tu pourras. Et après, j'ai dit, ben, l'argent, tu le gardes pour la maquette du bouquin. Je te propose, on va monter une maison. Ah ouais, d'accord, tu écris ton livre. Et le problème, c'est que j'ai su après que ce qui s'est passé, c'est qu'il avait monté une boîte qui marchait bien. Et cette boîte, c'était une espèce de franchise de club de sport et du MMA. Et cette boîte, il a vu trop grand, il a dépensé trop, il a vu que c'était pas viable, ça, surtout que ça devait demander beaucoup de travail. Et là, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une appel d'offres basse pour faire venir plein de mecs. Les mecs sont venus pour monter des boîtes, ils ont donné de l'argent pour pouvoir avoir des clubs. On vous le trouve d'ici 1 à 2 ans, il faut donner tant au départ et après, vous n'avez plus qu'à payer tant par mois. Les mecs ont donné tant au départ et la boîte a fait faillite. Donc lui a récupéré l'argent.
en surcotant visiblement, je sais pas, mais c'est, à mon avis, c'est de la facture, c'est du véreux. Tu vois, c'est de la surfacturation, à mon avis. C'est la justice qui va dire ça, mais ça n'entraîne que moi. Mais là, il est poursuivi quand même. Donc, il a perdu une fois, deux fois, trois fois, il a perdu partout. Donc, visiblement, oui, il n'a que des prête-noms. Maintenant, ils ne peuvent rien mettre à son nom. Mais au départ, il n'avait pas fait ça pour arnaquer les gens. C'est l'occasion qui fait la ronde. Il a vu que c'était trop dur à gérer, qu'au début, c'était vachement bien parti, qu'après, ça demandait trop de travail et que ça partait pas aussi bien que ça. Mais le début était vraiment génial, ce qu'il avait monté. Mais que c'était lui qui le faisait tourner, en fin de compte, avec sa personnalité. Et il a vu que les autres ne pouvaient pas faire tourner des trucs comme lui. Donc les autres sont des méchants, c'est des nuls. De toute façon, là, c'est la loi des affaires, tu sais. Et c'est un mec qui est baigné sûrement avec la télévision, tu sais, à la M6, envoyé spécial, tout ça. Et il a dû, je pense qu'il a été très inspiré, en fin de compte, j'ai regardé avec distance, sur l'histoire du loup de Wall Street. Ah oui, d'accord, ouais, tu vois, tout à fait. Mais je pense qu'il a dû s'inspirer de ce mec-là, c'est un mec qui aime bien se prendre des héros et qui a dû vouloir reproduire ça. Mais bon, c'était le loup de tréfouiller les oies, si tu veux. Tu vois. Ouais. En tout cas, maintenant, il est peut-être dans une impasse. Ah bah, il va de plus en plus être dans une impasse, tu vois. Ouais. Je sais pas, il est pas dans une situation qui est très bien. Là, tes livres de la vie méthode, ça tourne bien pour Noël, etc. Et oui, avec le Covid, ça tourne. Ça tourne là. Permanence, bah ouais. Sur Amazon. Les gens sont coincés chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent. Et ça, de mémoire, je crois pas, sauf du bêtise, je crois pas que tu as fait de méthode de travail chez soi. Si, la méthode de la vie 2, c'est comment s'entraîner à la maison. Elle est en rupture. Le bleu? Le rouge. Le rouge. C'est la première qu'on a fait. Méthode de la vie 1, méthode de la vie 2, méthode de la vie 3. Là, j'ai le 2 d'ici, il est bleu. Non, et le 1, il est rouge. Tu vois, tu l'as pas. C'est dans le 1 alors que tu parles de travail. Hein. Parce qu'il y a tous les mouvements en plus. Il y a le guide des mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. On avait fait ça avec Gundil pour s'amuser. On pensait pas qu'il allait avoir autant d'ampleur et on pensait pas qu'il allait avoir le Covid qui allait nous le faire vendre. Mais tant mieux, je viens de te dire. Tant mieux. Ah ben, je fais partie des mecs pour qui le Covid n'a pas été quelque chose de forcément négatif. Ben, je viens de te dire, tant mieux. Il y a des gens, tu sais, qui sont des haters tout le temps en train de dire ni, tu vois. Je veux dire, les gens qui. Combien de mecs dans la merde, pour moi, qui est pas trop dans la merde. Ouais. Ça va, dire bon, j'ai eu des problèmes, j'ai une vie qui peut être difficile, mais qui est aussi intéressante. Je me plains pas, parce que bon. Objectivement. Ma crèmerie marche. Avec Vigo, tu n'avais pas des problèmes d'image par rapport au dessin, etc. Ça s'est réglé, ça? Oui, ça s'est réglé. Réglé, ça Non, ça s'est réglé. Je bossais avec le fils Vigo, là, c'est sympa. Et là, on va faire le livre sur les blessures. Et c'est même Frédéric Vigo. Je dis un petit bonjour, parce que je l'aime bien. On a eu des problèmes avec Gundil. Gundil, t'en avais parlé. Et là, j'ai repris Gundil. Non, mais j'ai dit, écoute, Frédéric, je l'aime bien, moi. Et puis, c'est même lui qui me... Là, j'ai refait quelques dessins, mais j'expliquerai pas, je ne vais pas en parler de ça. Ouais, t'inquiète, on en parle. Des trucs qui sortent. Et ça sortira après, tu vois, on est en train de travailler sur les blessures. C'est super intéressant. Et après, tu vois, c'est le même Frédéric Vigo qui dit j'aimerais bien que vous nous fassiez un livre. C'est quand le mec me dit ça, sur le sport et les différences morphologiques en fonction de l'évolution, tout ça. Tu vois, le truc est hyper passionnant. Je dis, attends, quand l'éditeur te dit ça, alors que yeah, non, on ne veut pas de ça, non, c'est pas bien, tu dis, bon, ça fait plaisir, tu vois, ça change. Et donc, ça, c'est un projet que tu vas commencer peut-être en 2021. Si Dieu me prête vie et santé, un peu plus tard. On a le temps, hein, tu vois. Bon, allez. Bon, mais c'est cool, mon Fred. Écoute, je crois qu'on est pas mal là. En fait, non, bien, j'ai les posters, là, on fait les posters, on se marre. Tu vois. Mais oui, tu vas aller quoi? Tu vas aller refaire de nouveaux posters? Quoi? Tu vas faire de nouveaux posters? Non, on va refaire des posters. Là, je vais faire des t-shirts. Tu vois? Ouais. Mais quand tu parles de posters, c'est les plaquettes où on voit l'exercice que tu fais? Oui, non, ça, c'est Vigo qui les vend. Mais je voulais faire quelques posters. Mais non, je voulais dire, je vais faire des t-shirts. Là, je vais faire des t-shirts. Ah, ok. Là, j'ai les t-shirts déjà. Les t-shirts sont bien vendus. Là, on a ouvert, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines. Tu l'as où sur ton site? J'ai pas de site. Si, j'ai pas de site, j'ai un site, mais j'ai pas un site à moi, j'ai un site pour la vente des t-shirts, tu vois. Si tu veux des t-shirts, toi qui m'écoutes, et porter le nom de ton gourou sur toi
et enrichir la secte, tu vas sur delavier-.com. Et là, tu auras tous les t-shirts que tu veux. Et là, on est en train de sortir les cols V, les débardeurs échancrés. Et puis là, on va regarder pour en faire un tous les mois et demi, en se marrant. D'accord, un genre d'édition limitée. Ouais, on peut faire des éditions limitées. Je pense que pour l'éveil des consciences, on fera une édition limitée, tu vois. Ça peut être pas mal. On mettra pas l'éveil, mais on mettra juste l'ange sur un t-shirt clair, tu vois. Ça peut être pas mal. C'est quoi, c'est Michel-Ange que tu as voulu faire, la représentation avec l'ange? Ou tu as vu, t'as voulu représenter quelqu'un en particulier? Non, c'était un dessin qu'il avait fait jeune, c'est moi jeune. Ouais, parce qu'en fait, je me disais, mais il te ressemble vachement. C'est moi jeune. Ah, c'est bien ça. Quoi. Tu vois. Non, je crois que tu avais pris. Moi jeune et sous-produit. Ouais. Toi, version Super Fred. Voilà. Ouais, oh, c'est Super Fred. Tu voulais rajouter quelque chose ou on est pas mal là? Je sais pas, c'est moi. Si tu veux, ça t'intéresse. On a parlé entraînement, muscu, de tout. Si ça t'intéresse, ça fera une heure. On a parlé de tout. D'ailleurs, je couperai en deux la vidéo pour que ce soit plus simple à voir, parce qu'on a ces deux thématiques très distinctes, une plus personnelle et l'autre plus générale. Tu vois. Et toi, hier, en rapport aux questions qu'on aura, des petits lives comme ça. Marche. Ok. On fait comme ça. Je parle pas que muscu, tout ça. Pourquoi hein. C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Mais bon, là, non, les projets, j'en ai plein, moi. Tu sais, j'ai les machines de sport qui c'est passionnant à faire. J'en ai encore 2-3 modèles à travailler là pour le plaisir. On est vraiment super bien équipé. J'ai les deux laviers de gym, là, on en avait deux, mais avec le Covid, qu'est-ce que tu veux que ça a été bloqué. Heureusement, bon, il y en a un, son deux laviers de gym lui appartient, les murs, tout ça appartiennent à. Il n'y a pas de problème. Et puis l'autre, il n'y a pas beaucoup de loyer, il tient bien, ça va tenir, tu vois. Donc ça va. Les machines se sont bien vendues. On a vu, on a eu des salles en Suisse. Il y en a tout le temps qui partent à droite, à gauche. Tu vois. Après, bon, il faut que ça reparte et il faut essayer de se sortir de ce Covid qui est un peu merdeux, quoi. Ouais. Parce que j'imagine en plus que le problème là, avec des salles indépendantes, et ce qui se passe avec le Covid, comme elles vont fermer, ça va être un peu compliqué aussi de réinstaurer toutes les gammes de machines, non? Il va y en avoir qui vont ouvrir, je pense, et qui vont vouloir des trucs neufs. Puis tu vas avoir du matos d'occasion aussi. Peut-être, ouais. Mais après, c'est bien aussi d'avoir du neuf, tu vois, pour changer. Puis bon, quand, tu vois, mes gammes de machines, quand tu te fais une salle complète, c'est entre 50 et 75 000 euros la salle complète, avec les poids, les machines et tout. Hein. C'est bon, t'as tout. Hein. Puis c'est assez massif, ça prend tout. T'as combien de machines là, en effectif au catalogue? Oh, je me souviens plus. Une bonne vingtaine plus? Non. Je me souviens plus, j'ai une leg ischio, presse inclinée. Là, on sort le hack squat, biceps, triceps, pec décliné, pec incliné, pec horizontal, épaule. Ah, genre de lunge squat? Voilà, rowing horizontal, rowing horizontal sans dossier. Ils sont vraiment bien sans dossier. Moi, c'est en fin de compte, les deux sont bien, mais moi, j'ai pris le sans dossier. Tirage vertical. Bon, on fait des cages. Bon, tu calcules une cage. On va faire des bancs élargisseurs. Tu vois. Il y a tout le reste. Hein. Ils en ont d'autres marques, mais c'est pas moi qui les fais. Ils ont du matos intermédiaire. Mais dans ma gamme, il y a, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 machines dans ma gamme. Si je compte bien 13, il n'y en a pas d'autres. Non, on a 13. Et là-dessus, je vais en faire d'autres. Là-dessus, j'ai une épaule élévation latérale à faire. Donc, j'ai une élévation latérale à faire. Je voulais faire une écartée aussi. Je voulais faire deux machines à fessiers. Tu vois, progressivement. Donc, il y en a plein à faire, tu vois. Donc, c'est bon.